Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlog puisque j'ai été voir Niall en concert. Enfin, j'étais, oui, parce que j'ai pas commencé ce vlog à... en fait hier. Je devais le faire, mais j'ai oublié. Voilà, je suis vraiment une youtubeuse en carton niveau vlog. J'ai vraiment pas l'habitude et moi qui vous disais, oui, je vais essayer de faire mieux qu'Harry, j'ai fait encore pire. J'ai pas de mots pour vous expliquer tout ce que j'ai fait. Enfin, voilà, c'est. J'ai complètement oublié en fait et ça m'est complètement sorti de la tête et c'est arrivé au concert où je me suis dit oh putain j'ai pas vlogué. Donc voilà, je me suis dit tant pis je vais faire l'intro maintenant et voilà, enfin ça va aller. De toute façon ce que je vous parce que j'aime vraiment vous partager c'est justement le moment pendant le concert donc c'est pas vraiment le avant donc je me dis que je vais vous le faire quand même. Et donc voilà, donc je vais vous laisser du coup avec les images du concert. Try
Voilà, donc maintenant je viens de rentrer chez moi. Donc c'était au Zénith de Paris. Donc je suis allée chez ma famille. Donc j'y suis allée avec ma meilleure amie. Et donc voilà, donc déjà au début, ben, je suis partie en voiture. De base, on devait y aller en train, mais merci la SNCF. Voilà, donc je suis allée en voiture et enfin, je ne suis pas allée toute seule, il y a mon père qui est venu avec nous. Et du coup, voilà, on y est allé et je me suis préparée et on est parti au concert vers où on arrivait là-bas vers 19h, 19h30. 19h et on a attendu, il y avait une queue immense. Mais immense. Donc voilà, c'était un peu chaud et finalement on est rentré dans la salle, tout ça, et on s'est mis en place. Et on a attendu la première partie qui commençait du coup à 20h. Et elle est arrivée avec un peu de retard. Et donc c'était Julia Michaels la première partie. Donc déjà, ça, elle était vraiment géniale. Elle était vraiment fun, elle était trop mignonne et elle chante grave bien en fait. Et déjà, je connaissais un petit peu ses chansons parce qu'elle est quand même connue. Hein. Et elle est vraiment, vraiment, enfin, elle était vraiment top et elle bougeait trop bien sur scène et tout, c'était magnifique. Et c'est dommage limite que ça n'a pas duré un peu plus longtemps parce que c'était adorable, elle était adorable et c'était vraiment super. Et puis après, ben, y a eu la demi-heure de battement entre les deux et Niall est arrivée. Et là, j'ai perdu tout self-control dans ma vie. voilà. Et c'était vraiment un concert méga magnifique. Franchement, je peux même dire que j'ai préféré ce concert-là à celui d'Harry, alors que c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire un jour. Et là, franchement, c'était vraiment mille fois mieux. Les projets ont complètement réussi. On en avait trois et ils ont tous réussi. C'était juste magique. Et lui aussi, on voyait qu'il était super heureux, super content d'être là, super content de faire ce concert. Et rien que ça, ça donne du baume au cœur. Et voilà, et Harry, c'était deux choses différentes, j'en suis certaine. Enfin, voilà, je le sais, mais si je devais comparer les deux, j'aurais préféré choisir Niall. Voilà. C'était vraiment le meilleur concert des deux. Et je regrette pas du tout, parce que bah, en Belgique, c'est des choses différentes. Mais en Belgique, il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas de. Voilà, c'est deux choses différentes. Et voilà, je me suis super bien amusée, j'ai un peu mal à la gorge. Mais voilà, je me suis super bien amusée et franchement c'était vraiment génial, c'était au top et voilà, je regrette pas du tout, je regrette juste de pas avoir pris de meet and greet après, mais bon, je me rattraperai la prochaine fois. Voilà, donc je suis super heureuse et là je sais que je vais avoir mon déprime, donc je me suis acheté le suite. Je ne fais pas attention au bordel à côté, mais je me suis acheté le sweat gris que je porte déjà, même s'il va faire chaud aujourd'hui, mais j'ai pas envie de le quitter. Je l'ai mis ce matin, j'arrive pas à le mouiller. C'est comme celui d'Harry. C'est pareil. Je suis à moitié, enfin encore un peu maquillée d'hier. Pourtant, je me suis démaquillée, mais l'eyeliner que j'ai mis, il tient trop bien et j'avais pas les bons produits sur moi. Donc voilà, j'ai un peu de reste. Mais je vais aller me démaquiller là après. Je suis crevée. Parce que en fait, là, il est 11h07 et on est parti à 8h de Paris, donc levé 7h, donc ça pique un petit peu, couché à 1h du matin. Donc 6h de sommeil, c'est un peu juste quand même, donc ça pique un petit peu, mais franchement je regrette pas du tout d'avoir été au concert. Je suis vraiment très très heureuse, même si ça ne se voit pas parce que je suis fatiguée et que la déprime elle commence à arriver. Tout à l'heure je retourne travailler, donc ça va me faire oublier un petit peu, mais je sais que ça va arriver, ça fait que repousser, c'est tout. Et donc je me suis acheté le suite, je me suis acheté le porte-clés, voilà, et un bracelet pour ma meilleure amie parce qu'elle me disait qu'elle voulait rien, mais je me suis dit que j'allais lui acheter un petit souvenir quand même pour qu'elle ait un petit truc quand même. Donc voilà, donc j'ai dépensé 70 balles, hein, un peu moins que Harry quand même, hein. J'ai fait un effort, c'est parce qu'il n'y avait pas tout ce que je voulais, donc voilà. Donc je crois que je vais devoir passer une commande sur le site, voilà, ça c'est sûr. Il y a des trucs que je vais, voilà, en fait je voulais trop m'acheter le t-shirt marinière, mais il n'y avait plus ma taille, il n'y avait plus du XL. C'était vraiment un des meilleurs concerts et tout le monde s'est bien amusé et c'était vraiment oufissime, c'était parfait. Là, je me suis vraiment retrouvée en Belgique. C'est vrai que
Je m'amusais, mais pas autant que je voulais. Et là, c'est bon, c'est fait, quoi. Je me suis amusée, je me suis éclatée. Et là, je suis vraiment heureuse, en fait. Justement, même si je sais que je vais déprimer après, là, je suis vraiment heureuse encore sur le coup parce que j'ai vraiment profité, je me suis vraiment amusée. C'était vraiment magnifique. Donc voilà, je vais arrêter du coup ce vlog-là. J'espère que ça vous aura plu, même si je suis une youtubeuse en carton niveau vlog. Pardonnez-moi, mais j'ai vraiment pas l'habitude. Et en plus, je fais ça avec mon téléphone, donc vous savez, j'ai pas le réflexe du tout. Mais faut que j'essaye, faut que j'essaye. Faut me motiver. Faut que vous me motiviez à me dire, ouais, faut faire mieux les vlogs. Faut faire mieux. Je peux faire mieux, je sais. Voilà, je vais arrêter ce vlog-là. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!